Bonjour, dames et messieurs, bienvenue sur JSTM TV, toujours à la découverte de l'actualité scientifique au Mali et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons ensemble, dans cette vidéo, à la découverte du premier véhicule de l'ancien président de la République du Mali, Modibo Keïta, appelé Cadillac. Que savez-vous sur cette voiture luxueuse des années 60? Alors, ensemble, suivons ce documentaire. Cette voiture a été offerte à président Modibo Keïta, c'est dit à travers la conférence de Belgrade d'abord. Lorsque les chefs d'État se sont rencontrés là-bas pour décider l'orientation politique qu'ils veulent prendre, la position politique qu'ils veulent prendre par rapport aux deux blocs en son temps, socialiste et capitaliste, c'était la guerre froide. Donc, quelle serait la position de la République naissante? Donc, ils se sont rencontrés à Belgrade. Il y a d'autres chefs d'État qui vont proposer le non-engagement. Modibo a proposé le non-alignement. Du non-engagement, non, nous sommes engagés. Mais nous ne sommes pas alignés. Derrière qui que ce soit, entre les deux blocs, nous ne sommes ni amis ou ennemis de l'un contre l'autre. Là où il y a nos intérêts, nous irons là-bas. Donc, Modibo, directement, ils vont choisir Modibo et Soekarno, le premier président de l'Indonésie, pour aller expliquer à John Kennedy aux États-Unis la position de la jeune république naissante. C'est dans ce cadre-là que Modibo et Soekarno, avec la délégation, vont se rendre aux États-Unis, vont rencontrer John Kennedy pour expliquer leur position. Donc, ils vont l'inviter d'abord à aller à la Nations Unies pour faire la déclaration. Donc, en partant, il y avait un Cadillac pour le président américain. Donc, en entrant là-dedans, Modibo même a apprécié. Et Kennedy va profiter de cette occasion pour lui poser la question: vous n'avez pas ça chez vous? Modibo dit: nous sommes une jeune république naissante et nous sommes pauvres. Donc, nous, on n'a pas ça d'avoir chez vous. Kennedy me dit: vont aller à la maison, à la Nations Unies, ils devront faire cette déclaration. Et maintenant, à leur retour, l'avion qu'ils vont emprunter, c'est Kennedy qui va leur offrir un avion Air Force. Et va mettre la voiture là-dedans, comme surprise, avec un chauffeur et un conseiller de la voiture. Donc, arrivé à Bamako, c'est le conseiller qui va dire à Modibo que, ah, attendez, monsieur le président, vous avez une surprise ici. Alors, et que le président américain a souhaité que vous rentrez dans ça pour aller au palais. Une année après l'indépendance du Mali en 1961, cette voiture appelée Cadillac a été offerte au président Modibo Keïta par l'ancien président américain John Kennedy à l'époque. Le président Modibo Keïta, à son retour au pays, a été surpris car il a découvert que le président américain lui avait offert la Cadillac qu'il avait appréciée, de couleur blanchâtre, de portière avec une boîte de vitesse automatique. 59 ans d'existence aujourd'hui, cette Cadillac de 8e génération de marque est toujours fonctionnelle et est garée au mémorial Modibo Keïta. Thank you.